de la sessió del matí. Primera, jo voldria fer una puntualització. Jo em dic Joaquim Sampere i estava, consto, en el programa o en alguns programes com a moderador del matí, però aquí va haver algun malentès amb els organitzadors i ja vaig avisar que no podia venir fins a les 11 i aleshores se'm va demanar exclusivament que presentés el senyor Sergio Bolikov i per tant doncs bueno, m'excuso i també en nom dels organitzadors. Bé, el professor George Bolikov és professor d'Història Contemporània a la Universitat de Borgonya i vicepresident d'aquesta mateixa universitat amb seu a Dijon. També és director de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon i està en el Comitè Nacional del CNRS, o sigui, el Centre Nacional de la Recerca Científica de França. És autor de nombrosos llibres sobre el moviment obrer i comunista, per exemple, Antifeixisme i nació, les esquerres europees al temps del Front Popular, o també els sindicalismes a Europa, amb especial atenció a Espanya i Itàlia, i en diferents publicacions sobre el tema. Un altre volum és els arxius del Comintern a Moscou. Té també un diccionari biogràfic de la Internacional Comunista i sobretot vull destacar, a part d'un llibre sobre la memòria històrica que ara em explicava que acaba d'aparèixer i que recull testimonis dels deportats i de la repressió nazi a Europa, val la pena destacar que és un dels 7 coordinadors d'un llibre que es diu El segle dels comunismes. És un llibre publicat a l'any 2000 a París i ell n'és autor de 5 dels capítols. Aquest llibre estudia els comunismes del segle XX amb la seva pluralitat i a més es presenta com una rèplica al famós llibre negre del comunisme publicat a França i també una rèplica al llibre de François Furet, El passat d'una il·lusió. Bé, comencem. Ell parlarà en francès i jo faré la traducció consecutiva. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très content d'être parmi vous. Je voudrais remercier les organisateurs et notamment mon ami Perret Gabriel pour cette invitation qui me permet de m'exprimer aujourd'hui dans un colloque qui pour moi est très symbolique et exceptionnel, puisque c'est l'histoire du PSOUK, l'histoire d'un parti qui a vraiment son originalité dans l'histoire de la Catalogne et de l'Espagne, mais aussi dans l'histoire du mouvement communiste international. Je peux continuer? Oui. Vous me dites, hein, j'essaye de parler lentement pour être compréhensible du plus grand nombre. Alors, la... Pardon. A veure, però què vol dir? Que no fem traducció? Sí. D'accord. Mais malgré tout, je parle de façon lente quand même. Alors, la proposition, mon sujet, c'est de parler du livre, Le siècle des communismes. Mais en même temps, je dirais, pour moi, c'est l'occasion de réfléchir avec vous, même si on n'aura pas de discussion maintenant, mais peut-être vous aurez des discussions dans le colloque, sur comment écrire l'histoire du communisme. Et qu'est-ce que ça veut dire faire et écrire l'histoire du communisme? La meva xerrada versarà sobre el llibre del segle dels comunismes i espera que en el possible debat que vulguin, encara que no està previst un debat, si algú vol intervenir al final ho pot fer, doncs ja m'he perdut. Endavant, no té la seva importància.
Allez-y, allez-y. Bon, j'ai pas compris là. Mais. D'accord. Et cette question est d'une actualité momentanée, mais qui dure finalement. Parce que derrière la question de l'écriture de l'histoire du communisme, il y a aussi la question de l'histoire politique du XXe siècle. Nous avons deux exemples qui sont des exemples différents, mais de même nature. Au milieu des années 90, il y a le livre noir du communisme qui est sorti et qui a été traduit à partir de la France dans 40 langues. Et le siècle des communismes, quelques années après, et on m'a dit qu'il n'était toujours pas traduit en espagnol ou en catalan. Et sí. Cette question est intéressante. Aleshores, es tracta, com heu dit alguns de vosaltres, de la manera de com fer la història. I justament destacava que ha sabut que aquest llibre de la història dels comunismes, que és una rèplica a dos llibres que ja he citat jo abans, encara no ha estat publicat en llengua castellana. Et je voulais prendre un exemple pour la France, à peu près identique. Il y a quelques années, un historien britannique très connu, Eric Hobsbawm, fait un livre de synthèse sur le XXe siècle qu'il appelait « L'âge des extrêmes », dans lequel il faisait une analyse équilibrée, pondérée de cette histoire politique. Et en France, ses amis, entre guillemets, personne ne voulait le traduire en France. Il a fallu trouver un éditeur belge pour faire la traduction française de l'ouvrage d'Eric Hobsbawm. Vol fer un paral·lel amb un episodi que ha passat també a França, en què un escriptor de la talla d'Eric Hobsbawm no ha trobat traductor fins ara en el seu famós llibre, l'últim llibre seu, en què fa un balanç de l'era del segle XX, que ha hagut de ser publicat a Bèlgica. Ces deux anecdotes ont simplement pour but, elles n'expliquent rien, mais elles signalent que c'est pas seulement l'histoire du communisme, c'est l'histoire du XXe siècle qui est un enjeu mémoriel, un enjeu culturel et en même temps un enjeu scientifique. Et je crois qu'en Espagne, vous connaissez cette question à travers tous les débats qui existent aussi sur la mémoire de la guerre civile, de la République. Mais je pense que ça fait partie d'un problème commun. À chaque fois, il faut le traiter de façon particulière, mais en gardant à l'esprit cette grande question qui est une question à l'échelle européenne. On le sait au niveau du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne, l'élargissement de l'Europe au point de vue politique aux pays de l'Est a donné une nouvelle actualité à cette question du bilan du communisme et de la réflexion sur l'histoire européenne. Sí. Veiem doncs que és un problema més general, no és només la història dels comunismes, sinó tota la història del segle XX, la que troba dificultats per formular-se. I això també s'ha posat de manifest amb l'ampliació d'Europa cap a l'Europa de l'Est, que ha plantejat també l'experiència d'aquests països com a objecte de la reflexió històrica. Alors, mon propos va être... Je suis professeur, alors je ne peux pas me réformer. Toujours, j'annonce mon plan. Hein? Mais parfois, comme les enseignants, j'oublie mon plan, mais quand même, je l'annonce. Donc, dans un premier temps, exposer la démarche de l'ouvrage, comment il est constitué, quelles sont ses orientations de méthode et de travail. Ensuite, je reviendrai sur, justement, l'écriture de l'histoire du communisme, comment on écrit aujourd'hui l'histoire du communisme et les débats autour. Et enfin, j'évoquerai dans un dernier point ce qu'on pourrait appeler quelques perspectives du travail historique sur le communisme à l'échelle européenne. Que part de formació professional de professor doncs, no pot deixar, encara que després no segueixi el pla, de fer primer un esbós de l'esquema del llibre. Diu que primer
parlarà del mètode, després parlarà de com es pot escriure la història del comunisme, dels comunismes i finalment de les perspectives. Voilà. Sur le premier point, l'histoire de ce livre, c'est ce que l'on pourrait appeler l'histoire d'une mobilisation intellectuelle, non pas pour répondre, mais en réaction à la sortie du livre, le livre noir. On a dit non, c'est pas seulement ça, c'est autre chose, mais enfin, globalement, c'est ça. Et en gros, il y avait beaucoup de chercheurs qui avaient des compétences dans différents domaines, le communisme russe, soviétique, le communisme français, chinois. Chacun travaillait sur des périodes différentes et personne ne travaillait sur l'ensemble. Et ce livre a été l'occasion de prendre le communisme à la fois dans la longue durée, un siècle, et deuxièmement, la diversité, d'où le pluriel. El llibre és producte d'una mobilització intel·lectual davant de les publicacions del llibre negre al comunisme i del futur d'una il·lusió, i tenia la dificultat de que en la història del comunisme doncs hi ha molta fragmentació, és a dir, hi ha estudiosos que han estudiat aspectes molt diferents, des d'uns plantejaments de llarga durada fins a aspectes més parcials. Alors, cette question de méthode et de manière d'écrire l'histoire et la démarche du livre repose sur un certain nombre de propositions intellectuelles. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un phénomène communiste qu'il faut comprendre et étudier sur la longue durée. Si l'on isole telle période, on ne comprend pas le communisme indépendamment de son passé, de ses expériences. Premièrement, deuxièmement, il y a une communauté de démarches intellectuelles, de principes et en même temps des expériences nationales très différentes. D'une certaine façon, et c'est paradoxal, le communisme qui a été un projet mondial politique, le premier grand projet mondial politique, il ne faut jamais l'oublier, est en même temps un projet politique qui va se réaliser dans des contextes nationaux qui vont progressivement amener sa différenciation. Sí. El llibre es basa en dues proposicions bàsiques, una un estudi de la llarga durada, com he dit abans, però l'altra és la de tota una sèrie d'experiències diferenciades a escala nacional i a escales de sectors. I, per tant, doncs abordarà el comunisme com a fenomen mundial, però alhora també en els seus contextos diferenciats i nacionals. Alors, quand on parle justement des expériences nationales, des distinctions, il faut évidemment faire référence à la fois aux cultures politiques, à l'histoire des systèmes politiques et au développement social différent, mais aussi aux, ce que l'on pourrait appeler aux conditions d'existence des partis communistes, soit dans la clandestinité, soit au pouvoir, soit dans des pays démocratiques, de démocratie parlementaire, soit des dictatures, soit dans des pays indépendants, soit dans des colonies. La différence nationale, ça ne renvoie pas seulement à l'originalité nationale, ça renvoie aussi au statut des États et des systèmes sociaux dans lesquels ces mouvements communistes se sont développés. Aquestes varietats nacionals tenen a veure no només amb les característiques pròpiament nacionals, sinó amb les diferenciacions de cultures polítiques, la història dels sistemes polítics i les condicions d'existència, ja sigui la clandestinitat o en el poder, en països democràtics o en països dictatorials, etc. Et d'autre part, cela signifie notamment qu'il faut essayer de penser cette question de ce que l'on pourrait appeler la dimension internationale du communisme. Mettre le pluriel aux expériences communistes
ne signifie pas oublier la dimension internationale. Si on ne comprend pas ou si on ne saisit pas la dimension internationale, on ne comprend pas non plus le communisme. Qu'est-ce que c'est la dimension internationale? Eh bien, ça n'est pas toujours la même chose. Ça peut être l'existence de l'URSS comme incarnation du projet communiste. Si on oublie ça, on passe à côté. Mais c'est aussi une organisation à certaines époques qui forme les principes de structuration des partis communistes, le Comintern, l'international communiste. Et bien, pensar-ho en termes de diferenciació nacional no vol dir oblidar la dimensió internacional. I dimensió internacional vol dir, d'una banda, la mateixa existència de la URSS com a punt de referència, però també les formes d'articulació internacional com la Comintern i la Cominform. Mais ce qui fait la force du communisme, cette organisation internationale qui aide la naissance, le développement du communisme dans de très nombreux pays, par exemple les pays de l'Espagne ou de l'Amérique latine, va ensuite peut se transformer en son contraire. C'est-à-dire que l'image de l'URSS, de la Russie soviétique après la mort de Staline, ou les difficultés des pays socialistes au point de vue économique, politique, démocratique, deviennent des handicaps, des difficultés pour les partis communistes. Et ils ont, dans la fin du XXe siècle, ils ont le problème inverse. C'est comment, en quelque sorte, articuler ou conserver des liens historiques, mais plus de liens pratiques avec les anciens partis communistes ou avec l'URSS, par exemple. Donc, quand on parle de la dimension internationale, c'est une dimension qui est à la fois positive et en même temps qui est un handicap à un moment donné. Vous voyez, cette dimension internationale doit être lue de façon critique, de façon en quelque sorte relative, historique. Elle n'est pas toujours la même en 1930, en 1920 ou en 1980. Ou quand la Pologne, quand il y a l'état de siège en Pologne, pour les partis communistes en 1980, qui se battent pour la démocratie dans leur pays, c'est une question de savoir comment on prend position sur la politique de Jaruzelski, par exemple. Et, bé, aquesta dimensió internacional té moltes facetes i que ha jugat papers diferents en diferents moments, alguns positius com a factor d'unificació, altres negatius, i que ha portat, doncs, per exemple, en el cas de les lluites obreres a Polònia l'any 1980, a situacions en què entraven en contradicció les pràctiques democràtiques en els països occidentals amb el que estava passant a Polònia. L'autre aspect du livre, la longue durée, pourquoi sur le siècle? On a employé le terme de siècle des communismes. C'est parce qu'il nous semble qu'il faut réfléchir au communisme sous sa forme historique du XXe siècle. Il y a eu des formes historiques du communisme avant le XXe siècle. Peut-être y aura-t-il des formes historiques du communisme ensuite, au XXIe siècle. Ça n'est pas les historiens qui sont capables de faire des prévisions. C'est en général une catastrophe quand des historiens se mettent à faire des prévisions. Mais par contre, ils ont le sens de la relativité historique. Or, je termine là, la forme historique du communisme du XXe siècle est née à la fois de la crise du socialisme et est née de la Première Guerre mondiale. Si on oublie la dimension militaire du conflit mondial, de la guerre, même des deux guerres, et du rapport à la guerre, on ne comprend pas le communisme au XXe siècle. Sí. El títol del llibre, el segle, al·ludeix doncs, la llarga durada i el fet, però, de que, a més, en el segle XX es produeix una història molt diferenciada que no és la mateixa del comunisme d'èpoques anteriors, i que s'ha de veure amb el context justament del segle XX, que és el de la crisi del socialisme per un cantó i per l'altre el de la
Primera Guerra Mundial, sobretot, però també de la Segona Guerra Mundial i la relació del moviment obrer amb la guerra. Dans un autre livre, on a travaillé sur même le vocabulaire, la conception du parti, toute la conception de la politique est marquée par une culture et une expérience qui est celle des combats dans lesquels, entre les combats politiques et militaires, il y a une continuité et il n'y a pas de rupture. Et où la question de la démocratie politique est une question qui, temporairement, n'est pas d'actualité. Parce que l'actualité, c'est la guerre. Et vous voyez, cette question est fondamentale, même pour comprendre la forme historique et le développement des partis communistes. Les grands partis communistes sont nés au XXe siècle, au début du XXe siècle, puis au cours du XXe siècle, dans les pays qui étaient soumis à des formes de guerre, guerre internationale et guerre civile. Guerre de libération coloniale, bien souvent. Et ensuite, les partis communistes ont été confrontés au processus et au phénomène de démocratisation politique. Mais dans les pays qui n'ont pas connu la guerre, Première Guerre mondiale, ou peu la Seconde Guerre mondiale sur leur territoire, que ce soit les pays anglo-saxons, l'Amérique du Nord, que ce soit l'Europe du Nord, eh bien, les partis communistes ont pris des formes différentes du point de vue des cultures politiques locales. J'attire donc votre attention sur l'idée de cette nécessité de la réflexion dans la longue durée et sur une échelle historique et spatiale assez large. Subratlla la importància de veure aquesta concepció de la llarga duració i insisteix en el paper que ha tingut la guerra amb el naixement i la història del comunisme en el sentit de que ha marcat tota la concepció del partit amb la seva doble vessant política i militar, fent que la democràcia fos una qüestió que passava a un segon terme. Subratlla, per exemple, la diferència entre l'evolució del comunisme en països que no han experimentat la guerra, com a Gran Bretanya o Estats Units, i els que sí que la van viure. Dernier aspect de ce livre, autre aspect de ce livre, c'est l'idée que l'histoire du communisme aujourd'hui doit s'appuyer sur une historiographie importante qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas en quelque sorte, et je vais en parler, pratiquer une démarche dite révisionniste radicale. Il existe des courants en histoire comme en politique, qui décide que toute l'expérience historique, mais aussi intellectuelle, est désormais discréditée. Et qu'il faut réviser l'ensemble, non seulement des schémas, mais toute la pensée d'analyse des phénomènes historiques et politiques. D'ailleurs, que ce soit sur le communisme, sur la Révolution française, sur l'histoire d'ensemble du XXe siècle ou de la Révolution russe. Ce courant révisionniste qui s'est exprimé notamment dans le Livre noir, qui a été théorisé par des historiens allemands depuis longtemps comme Ernst Nolte, eh bien, considère que aujourd'hui, les travaux sur le communisme, quand il n'y avait pas les archives ouvertes, eh bien, ces travaux n'existent plus. N'ont plus d'importance. Dans le livre, au contraire, nous faisons un peu le bilan des travaux à chaque fois sur l'histoire du communisme en Chine, en Europe, en Italie, en France, au point de vue international, avant de développer les analyses les plus contemporaines. Un altre aspecte vol subratllar que és que sempre la història necessita prendre suport en una historiografia ja existent abans. I el llibre polemitza justament amb un corrent revisionista que considera que cal desbordar tota la historiografia anterior i en particular en el cas del comunisme tot el que s'havia escrit abans que s'obrissin els arxius que s'han fet públics en els últims decennis. En ce qui concerne les points communs des articles dans cet ouvrage, c'est aussi l'idée que l'histoire du communisme doit être une histoire qui s'intéresse pas simplement à la doctrine ou au discours institutionnel, mais également
aux pratiques sociales, aux activités militantes et aux individus, soit comme personne, soit comme collectif. C'est-à-dire, pour résumer, une approche de l'histoire du communisme qui soit une histoire aussi sociale, culturelle, intellectuelle du communisme et pas simplement une histoire institutionnelle et une histoire de ce que l'on pourra appeler l'organisation. Bé, primer enllaço amb la part anterior. Suposo que ha quedat clar que el plantejament del llibre és antirevisionista, és a dir, que pretén agafar la documentació no només d'aquests arxius novament oberts, sinó també de moltes de les aportacions que hi havia, que s'havien fet abans. Per altra banda, diu que no s'han centrat només en els discursos i la doctrina, sinó en les pràctiques socials, militants, tant individuals com col·lectives, és a dir, agafant els aspectes socials i culturals i no només els institucionals. Eh bien, maintenant, je voudrais aborder le deuxième point de mon propos concernant, justement, à la fois les méthodes de l'écriture de cette histoire et aussi le lien avec les recherches historiques dans la période la plus contemporaine, c'est-à-dire la fin du XXe siècle. Depuis 1990, pour aller vite, on a quand même un nouveau contexte, à la fois la fin de l'Union soviétique, l'ouverture des archives de l'international communiste et d'une partie, une partie des archives du communisme russe. On a aussi, dans beaucoup de pays, une crise des partis communistes avec une interrogation sur leur avenir, leur recomposition, qui vont créer un rapport à l'histoire, un rapport à ce que l'on pourrait appeler la réflexion sur le passé, qui est un rapport, une relation nouvelle. Cette manière, ce nouveau contexte a des effets en quelque sorte sur la manière de concevoir l'histoire ou de pratiquer l'histoire du communisme. En particular, s'adopta tot allò que ha passat des de 1990, és a dir, el nou context marcat pel final de la Unió Soviètica i l'obertura dels arxius soviètics i altres. Això lligat a les crisis que tots aquests fenòmens han provocat en els partits comunistes en processos de reconsideració i de reflexió i de nova relació amb el propi passat. Je voudrais prendre pour ça quelques exemples. D'abord, essayer de mesurer ce qu'a représenté l'ouverture des archives et ce que signifie le rapport aux archives dans l'histoire du communisme. Je ne développerai pas parce que c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai travaillé depuis quelques années et je pourrais vous en parler longtemps si je ne m'obligeais pas. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps sur ce point. Mais on ne peut pas oublier cette caractéristique. C'est que pendant très longtemps, l'histoire du communisme, c'était une histoire qui s'est faite sans archives. Il n'y avait pas d'archives. Ou plus exactement, les archives n'étaient pas accessibles facilement aux historiens. Ces archives étaient des archives d'organisation qui restaient la propriété des organisations. Et quand il y avait des archives qui étaient utilisées par les historiens, c'était souvent des archives que des anciens dirigeants avaient emportées avec eux, ou des dirigeants qui avaient quitté ou étaient exclus de l'organisation, utilisaient pour le travail historique. Vols subratllar un aspecte que és un tecnicisme d'historiador, que és el tema dels arxius, que fins fa poc doncs, no s'havien utilitzat, o que s'havien utilitzat poc a partir d'arxius parcials que tenien dirigents, que se'ls havien endut amb ells, etc. Est-ce qu'on a besoin d'archives pour faire l'histoire? Eh bien, certains pensaient que non. Quand Staline a rassemblé une équipe d'historiens pour réaliser le manuel d'histoire du Parti communiste bolchevique, il n'avait pas l'objectif d'ouvrir les archives du parti bolchevique aux chercheurs, mais au contraire de les fermer.
Quand même le Parti communiste français a écrit son manuel d'histoire du Parti communiste en 1964 encore, eh bien, il n'était pas question, même avec des historiens qui étaient de bons historiens, d'utiliser les archives. On utilisait les documents publics et ça suffisait largement et encore, on triait. Donc, une conception ancienne de l'histoire du communisme par les historiens communistes et par les partis communistes qui pendant longtemps, j'allais dire, n'utilisaient pas les archives. Donc les archives avaient mauvaise presse auprès des militants et des dirigeants puisque c'était toujours ceux qui allaient critiquer qui voulaient utiliser les archives. Et puis la situation a changé. Llavors es pregunta, però cal realment utilitzar arxius per fer història? Evidentment la resposta està implícita en el que diu a continuació, és a dir, que l'actitud tradicional de Stalin quan, per exemple, va reunir un conjunt d'experts historiadors per fer la història del PQS no va ser la d'obrir-los als arxius perquè poguessin utilitzar-los, i també va passar el mateix amb el Partit Comunista Francès amb una data tan tardana com 1964, perquè del que es tractava no era d'utilitzar els documents públics. Els únics que semblaven estar interessats en els arxius semblaven ser els dissidents o els crítics. Vous connaissez l'épisode du 20e congrès du Parti Communiste de l'Union Soviétique. Quand, pour préparer son discours, son rapport secret, Khrouchtchev s'est appuyé sur un travail d'archives. Il y a une commission spéciale de la direction du Parti communiste soviétique qui a pris les archives pour reprendre les archives des procès staliniens. Et ces archives ont été ouvertes à ce moment-là pour le parti, pour les dirigeants du parti. Et pendant quelques semaines, des historiens avaient travaillé pour cette commission. Et ensuite, on a refermé les archives. Et en URSS, ça a été au moins trois fois comme ça. Après Khrouchtchev, on a refermé toutes les archives. Dans les années 85, avec Gorbatchev, on a ouvert une partie des archives. Et puis, on l'a ouvert au début des années 90. Et puis en 95, on a de nouveau refermé. Et aujourd'hui, les archives russes sont des archives, même sur cette période, qui sont inégalement ouverte. Et quand je dis inégalement, c'est un inégal qui est très orienté et qui protège une partie de ce qui est considéré encore comme de l'histoire sensible. Donc, pour le Parti communiste russe et soviétique, même l'État russe actuel continue d'utiliser la même méthode à l'égard des archives. Pour la France, il a fallu, pour l'Italie, c'est dans les années 1970 qu'on a commencé à ouvrir les archives. Mais la politique d'ouverture des archives a été plus tardive et de récupération des archives dans les années 80. Donc, il y a tout un processus difficile et lent d'accessibilité aux archives. Vous allez me dire à quoi ça sert pour le travail d'histoire. Ben, je vais vous le dire ensuite. Si, que recordareu potser que a l'època de Khrouchtchev, doncs ell va fer el famós informe secret i que per fer-lo doncs, es van haver d'obrir els arxius que estaven tancats i on constaven tota la documentació sobre, per exemple, els processos de Moscou. Aquells arxius es van obrir durant unes setmanes, però es van tornar a tancar. De manera que va ser un parèntesi que no es va tornar a repetir fins a l'època de Gorbatxov, 1985, però que alhora es van tornar a tancar després, i el que és més sorprenent, i ara parlo així, és sorprenent per mi, suposo que per tots, és que avui dia encara tornen a estar tancats els arxius de l'època soviètica, amb alguns aspectes parcials que no interessa a l'actual poder rus que es facin públics. També ha al·ludit que en el cas de França i Itàlia fins als anys 70 no es van fer públics els arxius, no es van començar a fer públics i sobretot a partir dels 80. Alors, l'usage critique, méthodique des archives
permet d'élargir l'approche historienne du phénomène communiste, de lui donner son, ce qu'on pourrait appeler son épaisseur sociale, y compris, par exemple, pour comprendre ce qu'a été le communisme en Russie, en URSS, les travaux sur la société soviétique, à partir des archives du Parti communiste, mais aussi des archives de l'État russe, de l'État soviétique, ont montré que la société soviétique, il y avait à la fois la, les purges, la répression, de la terreur, et en même temps que la, le fonctionnement militant du parti dans la société soviétique était beaucoup plus complexe que le concept de totalitarisme employé à toutes les sauces, l'avait souvent résumé de façon artificielle. Et d'ailleurs, ces études ont permis de comprendre un peu la crise de la société soviétique et du communisme soviétique. Pour les pays d'Europe, pour les partis communistes comme les partis communistes de l'Europe occidentale, les partis communistes qui n'étaient pas au pouvoir, qui étaient dans la clandestinité ou qui étaient dans l'opposition, eh bien, on a pu enfin, avec les archives, mieux comprendre les processus à la fois d'organisation, le fonctionnement des directions des partis, mais aussi de mieux travailler sur les biographies, la, les personnalités des militants. Alors c'est vrai en France, où on a développé les recherches biographiques sur les militants, mais c'est vrai dans toute une série de pays maintenant qui sont cités dans le livre, que ce soit le cas français, le cas italien, le cas allemand. A la, l'obertura dels arxius ha permès donar als estudis sobre la, en el cas de l'experiència soviètica un espessor social, diu ell, és a dir, arribar a descobrir els mecanismes de funcionament de la societat russa més enllà dels aspectes més dramàtics com eren la repressió, les purgues i el terror. És a dir, també els mecanismes més quotidians que fan possible tenir del totalitarisme una visió més complexa i més, més contingut humà, no? I no diguem, sortir d'aquesta etiqueta una mica simplificadora. Això tant, diu ell, en el cas de Rússia, en els arxius del PC, com en els arxius de l'Estat. I això també es pot fer extensiu en les, als arxius dels partits que no han estat en el poder, sinó que els partits occidentals, en què s'ha pogut doncs, desentranyar millor què és l'organització, la direcció, la biografia dels dirigents, dels militants, etc. Je voudrais prendre un exemple historique pour essayer de mettre, expliquer comment les recherches historiques peuvent se développer en s'appuyant sur les travaux antérieurs, mais avec les archives, en essayant de, en permettant de mieux comprendre ces problèmes de l'histoire du mouvement communiste. J'ai choisi un exemple qui intéresse, je pense, le PSOUK et cet anniversaire, votre et cette, pas cet anniversaire, ce, ce colloque et cette réflexion sur l'origine et l'histoire du PSOUK, et en même temps sur l'histoire du communisme international, ce qui est quelque chose qu'on aborde dans, dans le livre. Cette année, c'est le 70e anniversaire du Front populaire. Alors voilà, quand on étudie dans l'histoire du communisme la question du Front populaire, on est confronté à la question de la dimension nationale et internationale, d'un phénomène qui est un phénomène de l'identité communiste. Qu'est-ce que c'est par rapport au projet politique révolutionnaire, à la naissance, à l'origine du communisme en 1920, 1919, 1918. Qu'est-ce que c'est la politique de Front populaire? Est-ce que c'est une parenthèse dans l'histoire du communisme ou au contraire un changement durable stratégique? Est-ce que c'est en quelque sorte une époque de l'histoire du communisme ou au contraire est-ce que c'est une sorte de parasite de l'histoire du communisme?
un parti comme le PSOUK est incompréhensible, à mon avis, en dehors de la stratégie de Front Populaire. Et pourtant, beaucoup, quand ils réfléchissent à l'histoire d'un parti comme le PSOUK, oublient la dimension internationale pour privilégier la dimension spécifiquement nationale. Or, à l'échelle européenne, comment envisager un processus d'unification avant l'époque du Front populaire? Toute la première période de l'histoire du communisme, ça a été un processus de différenciation et d'affrontement interne permanent. Quand j'ai pas le temps de parler des épisodes du Front unique dans les années 1920, mais globalement, c'est au moment du Front populaire que la question de l'unité politique du monde ouvrier se pose de façon pratique, pas théorique, mais de façon pratique, et du rapprochement socialiste-communiste. C'est une question qui, à l'échelle du siècle, est évidemment tout à fait fondamentale. Et je pense que pour l'histoire de la Catalogne et de l'histoire d'Espagne aussi. C'est pour ça que je vais continuer quelques minutes encore sur cet exemple. El treball sobre els arxius es pren suport sobre treballs anteriors que ja s'havien fet i aleshores es posa com a exemple el fet de que el fet del Front Popular, que també compleix enguany el 70 aniversari, igual que la Fundació PSUC. I reflexiona sobre el Front Popular tant en la seva dimensió nacional com internacional i en la seva relació amb la identitat comunista, tenint en compte que el comunisme neix en ruptura amb el socialisme de cara a un projecte revolucionari. I ens podem preguntar si el Front Popular va ser un parèntesi o va ser un canvi estratègic i durable, durador. De fet, una formació com la del PSUC, que també es va produir fa 70 anys, seria incomprensible fora de l'estratègia del Front Popular. Abans del Front Popular era molt difícil, o ell es pregunta com es podia entendre un procés d'unificació entre socialistes i comunistes, i realment era difícil d'entendre, perquè les relacions entre uns i altres van ser unes relacions sumament conflictives. Pensem, per exemple, en els anys 20, encara que hi haguessin alguns intents de front unit. I tot això planteja, per tant, la unitat de socialistes i comunistes en el segle XX. Cette époque est une époque qu'on peut étudier du point de vue du siècle comme un moment de différenciation du communisme du point de vue des expériences politiques. Et des expériences qui se différencient alors qu'en même temps, l'unité de la doctrine communiste est maintenue sans réserve. Pour Staline ou pour les théoriciens du communisme russe, le Front populaire est essentiellement une tactique, une adaptation aux circonstances politico-militaires, diplomatiques du monde. Pour les communistes dans les pays où le Front populaire est une expérience politique, sociale, culturelle, pratique, eh bien, ça transforme une partie de leur pratique, mais aussi de leur vision politique. C'est la question de l'alliance politique et c'est la question des objectifs politiques. Puisque le mouvement communiste intègre dans ses objectifs des objectifs à la fois sociaux revendicatifs et des objectifs démocratiques, de politique, de démocratisation politique. Immédiatement. L'antifascisme est en quelque sorte la justification tactique de cela, mais en même temps, la réalité politique de cette expérience est très nouvelle. Mais cette nouveauté est en quelque sorte
masquée, dissimulée par deux phénomènes, la guerre, je ne reviens pas sur le phénomène de la militarisation et de la guerre, et deuxièmement, sur le fait que le poids symbolique, le poids renforcé de l'URSS comme seul appui contre le fascisme a tendance en quelque sorte à limiter la possibilité de généraliser l'expérience, d'aller jusqu'au bout de cette expérience du point de vue intellectuel. Et donc le Front populaire, c'est une expérience politique qui n'est absolument pas prolongée de façon théorique, mais qui est une expérience pratique qui va progressivement donner au communisme européen de l'Ouest une figure un peu différente dans certains pays. Aquesta reflexió entorn al Front Popular ens permet de veure que una cosa és la diferenciació dels comunistes des del punt de vista de les experiències pràctiques, perquè durant tot aquest període es va mantenir inflexiblement la unitat de la doctrina, sense reserves. Aleshores, mentre per Stalin, esclar, des del poder a la Unió Soviètica, el Front Popular és una tàctica, per aquells països on es porta a la pràctica, per als comunistes d'aquests països on es porta a la pràctica, és una experiència viscuda, una experiència pràctica que porta a unes pràctiques polítiques i a unes visions diferents, en què, per exemple, els objectius sumen a la vegada objectius socials i objectius democràtics, que la qual cosa, és clar, dona una visió ben diferent de la que es podia tenir des del poder a la Unió Soviètica. A més, això va... vull dir que no es va poder desenvolupar totes les conseqüències teòriques d'aquesta pràctica perquè hi havia un fenomen de dissimulació. La dissimulació provocada per la guerra, que plantejava problemes immediats molt punyents, però també la dissimulació provocada pel fet que la URSS fos l'únic aliat ferm enfront del feixisme. Est-ce que les archives nous aident à comprendre ça? Eh bien oui, moi je pense que quand on travaille sur les discussions internes, sur les questions par exemple de la participation gouvernementale, de la conception du rapport entre socialistes et communistes, des discussions stratégiques, on s'aperçoit qu'une partie des dirigeants communistes de l'époque, des dirigeants de l'Internationale communiste, avaient conscience de cette importance, de cette situation, et souvent étaient en désaccord avant de prendre une position unique, une position monolithique. Ce qui est intéressant, c'est que ces archives ont été fermées et n'ont jamais, en quelque sorte, été utilisées pour reprendre la question. Il a fallu attendre les années 1970 pour que cette question réapparaisse dans le débat historiographique en Italie, en France, en Angleterre, très tardivement. Et pour les partis communistes eux-mêmes, ils ont souvent perdu culturellement de vue cette expérience. Et donc la question de l'ouverture et de la fermeture des archives est une question qui n'était pas qu'une question pour les chercheurs et les historiens, mais c'était une question aussi pour ce que l'on pourrait appeler l'histoire même des organisations. En gros, moi je me souviens, parce que je suis professeur et chercheur, mais j'ai été aussi militant et professeur dans les écoles du parti, je me souviens d'une époque où j'expliquais que le Front populaire s'était changé pour mieux continuer. Par exemple, le Front populaire, c'était un changement politique pour mieux continuer d'être conforme à la même orientation. C'est-à-dire, c'était l'idée que le communisme, dans l'histoire politique, n'avait jamais changé, était resté, et c'était cette question du rapport à la fidélité, vous voyez, fidélité à des idéaux et en même temps reconnaître des évolutions politiques, la difficulté à traiter cette question pendant très longtemps. Quand on était sur le registre de l'histoire pédagogique et militante, ça sera mon dernier point que je vais aborder maintenant. Toute cette question des archives et de més
té a veure... és important no només pels historiadors professionals, sinó també que ha influït en el mateix, la mateixa existència i formació a l'interior dels partits. I recorda una seva pròpia experiència com a militant del Partit Comunista Francès, en què, per exemple, la tesi que ell explicava era que, en el fons, el Front Popular no era una variació substancial, sinó que representava un pas diferent, una política diferent per, per uns mateixos objectius que eren invariables. No? Per tant, això volia dir que hi havia, diguem, un dèficit de reflexió, no? Entenc jo. Je voudrais, je crois que j'ai encore 10 minutes, hein, c'est ça? Oui. Oui, hein. Je voudrais aborder dans la dernière partie ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire cette question qui est une question, je pense, un peu pour vous comme pour toujours d'actualité, c'est le rapport entre l'histoire scientifique et l'histoire militante du communisme. Quel rapport entre histoire scientifique et histoire militante? Comment aussi travailler entre à la fois ceux qui sont les chercheurs, les historiens, les intellectuels professionnels, et puis les protagonistes, ceux qui ont l'expérience de l'histoire de l'organisation. En France, souvent, on simplifie ça. Enfin, pas on. Parfois, il y a la simplification. On dit il y a ceux qui sont les tenants de la mémoire et puis ceux qui sont les tenants de l'histoire. Vous voyez, alors la mémoire, ça serait ce qui est vraiment pas sérieux, qui serait avant ce qu'on appelait les stéréotypes et l'histoire institutionnelle. Et puis l'histoire, là, ça serait là, hors de toute reproche et de toute critique. C'est pas, ça ne peut pas marcher comme ça, parce qu'il y a des débats parmi les historiens qui se divisent aussi autour de grandes questions idéologiques et culturelles, et dans la mémoire, il y a plusieurs manières de concevoir la mémoire. Mais justement, ce que je voudrais aborder, c'est une façon d'articuler, de combiner une manière de faire l'histoire du communisme qui donne sa place aux militants, aux protagonistes, mais dans laquelle les protagonistes acceptent, est-ce possible, que le travail d'histoire soit un travail à la fois de critique et de contextualisation du passé. Je vais expliquer ça en 2 minutes. Sí. Parla de la relació entre la història científica i la història militant, és a dir, la història viscuda pels protagonistes, i és a dir, que serien els que assumeixen la història des del punt de vista científic, i aquells que assumeixen sobretot el que en diu la memòria històrica, no? Distingeix la història com a elaboració global de la memòria històrica dels protagonistes, i creu que no tenen per què estar divorciades, sinó que els propis protagonistes poden assumir el paper que juguen els historiadors, sobretot com a contextualitzadors de les vivències dels militants. Je voudrais dire que, pour ma part, je pense que c'est une richesse de pouvoir mettre en place une coopération entre historiens et militants pour faire l'histoire d'une organisation comme les organisations communistes. Parce que, après avoir parlé des archives, les archives ont leurs limites. À la limite dans ce que l'on pourrait appeler les domaines où il y a des archives, les époques où il y a des archives. Et que l'expérience réfléchie, l'expérience transmise des militants, des protagonistes, est quelque chose d'irremplaçable. D'irremplaçable à condition que ce travail soit un travail qui accepte un certain nombre, non pas de précautions, mais de règles, de méthodes. Notamment qu'il y ait
ce que j'ai appelé la contextualisation, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, de restituer l'époque à chaque fois, le contexte des décisions, des initiatives, mais aussi de ne pas surévaluer la mémoire personnelle, de croiser les mémoires, ou ce que l'on peut appeler les souvenirs des uns et des autres, donc de travailler un peu collectivement et pas isolément. Chacun raconte sa mémoire, chacun raconte son histoire, et ensuite on a un éclatement de témoignages, alors qu'il faut travailler collectivement, confronter. Deuxième remarque, la notion de témoignage est une notion extrêmement, j'allais dire, dangereuse. Parce que le témoignage, quand il s'agit d'événements qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de distance, eh bien, les témoins ont eu le temps de réfléchir beaucoup à ce qu'ils ont vécu. Et même parfois, ils ont eu tendance à refaire leur propre histoire personnelle. Donc, le terme de témoignage est un terme à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. Je pense qu'il faut préférer l'idée qu'il y a une coopération entre les historiens et ceux qui ont été les protagonistes de l'histoire et qui apportent leur expérience. Leur expérience, c'est leur témoignage, c'est leur réflexion. Mais comme ça, on ne se fait pas d'illusions. Le témoignage n'est pas en lui seul le porteur de la vérité absolue devant laquelle l'historien devrait s'incliner, puisque c'est un témoignage. Il faut relativiser, positivement, mais relativiser le témoignage et l'inscrire dans une méthode de travail. Propugna una cooperació entre historiadors i militants. D'una banda, els arxius és evident que tenen límits. Hi ha èpoques en què no hi ha arxius, són incomplets, falten documents. Però, i per tant, la memòria individual, històrica, és irreemplaçable, però ha de subjectar-se a regles i a mètodes. Això que abans n'ha dit contextualització. És a dir, restablir l'època, el context, no sobrevalorar la memòria individual, la memòria individual, el testimoni, el testimoniatge personal té també els seus perills, és irreemplaçable, ha dit, però té els seus perills, perquè han passat anys, la gent ha reflexionat, ha pogut fins i tot refer la seva pròpia història personal en funció de les seves experiències posteriors, i per tant aquests testimoniatges cal que siguin relativitzats, i d'aquí la conclusió que torna a l'inici del que deia, que la millor manera de fer la història és aquesta cooperació entre història i memòria. La seule solution pour résoudre ces contradictions qui forcément existent, c'est d'avancer dans ce que j'appellerais la connaissance historique partagée entre protagonistes, militants et historiens, travailler ensemble. Mais aussi connaissance historique partagée et autour de la question de la transmission, c'est-à-dire de la question des jeunes, de la jeunesse et des jeunes chercheurs. Si l'on ne se pose pas la question des générations, c'est-à-dire comment transmettre des connaissances sur un mode scientifique, mais aussi sur un mode pédagogique, on ne peut pas régler cette question, parce qu'une partie des solutions, c'est le dialogue entre les problèmes contemporains actuels, les interrogations actuelles sur le passé, qui sont extrêmement pertinents. Sauf si les jeunes chercheurs aujourd'hui ne comprennent pas ce qu'est un contexte ancien, il y aura des phénomènes d'incommunicabilité, d'incompréhension. Par exemple, je vais reprendre toujours mon exemple du Front populaire. En 1936, aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Catalogne, les grands mouvements de mobilisation ouvrière
sont des mouvements où les ouvriers veulent s'organiser. Ils font des grèves, des manifestations, mais ils s'organisent en syndicats, en partis, ils prennent des cartes, ils achètent des journaux, ils se structurent collectivement. Spontanément, aujourd'hui, un jeune chercheur qui travaille sur les mobilisations des mouvements sociaux ne comprend pas cette question, parce que l'organisation apparaît au contraire comme ce qui est le contraire de la spontanéité, de la mobilisation, de la libération. Et cette question est une question centrale pour comprendre les problèmes de l'histoire des organisations communistes, de leur puissance ancienne, de leur capacité ancienne, de leurs difficultés ultérieures. Et là, il faut qu'il y ait une circulation des expériences entre chercheurs militants, mais aussi entre générations, pour faire comprendre ce que j'appelle l'histoire des contextes. Après, on peut travailler à l'analyse qu'on va appeler les hypothèses pour comprendre comment les mobilisations politiques aujourd'hui prennent, ou sociales, prennent des formes historiques différentes d'il y a 50 ou 60 ans. Planteja el problema de les contradiccions que es donen en aquests processos de construcció comuna de la història. Això que en diu el coneixement històric compartit. I concretament el fet de que els investigadors actuals són joves o són gent que no han viscut experiències, les experiències que estudien, i aleshores sempre es mira i s'interroga el passat des del present. I pot passar que els més joves doncs, no comprenguin o els hi costi de comprendre els plantejaments dels més grans i, per tant, interpretar els testimonis viscuts. I posa com a exemple el fet de que a les mobilitzacions dels anys 30 els treballadors que s'alçaven per reivindicar els seus drets volien organitzar-se, sindicar-se, llegir diaris, afiliar-se a partits, etc. I que això costa d'entendre a joves d'avui que tenen experiències molt diferents perquè per ells l'organització és el contrari de l'espontaneïtat. Per tant, cal un sistema de circulació d'experiències que permeti salvar aquest abisme o aquest gap generacional. Je voudrais, pour terminer, quelques mots de conclusion autour du livre et de cette réflexion. Le dernier chapitre du livre est une réflexion sur les problèmes contemporains du communisme et en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler non pas le bilan du siècle à propos du communisme, mais une réflexion sur ce que j'appellerais, moi, la contribution mouvement communiste, du communisme dans un grand nombre de pays, à l'échelle même mondiale, à ce que l'on pourrait appeler la politisation des masses. Fondamentalement, la politisation de centaines de millions de personnes, ouvriers, paysans, de ces milieux populaires, qui, dans l'histoire des systèmes politiques et de l'humanité, étaient en quelque sorte à la périphérie des systèmes politiques et du pouvoir politique, le XXe siècle, dont Eric Hobsbawm nous dit que c'est l'ère des masses, eh bien c'est à travers cette irruption des masses dans la vie sociale, culturelle et politique, eh bien le communisme a été une des formes politiques importantes de cette politisation, acculturation des masses populaires, de leur irruption. De façon inégale et variée selon les pays, dans certains pays, il a été un outil, un instrument dans lequel les millions de gens se sont reconnus pour à la fois élever leurs conditions, se battre pour leur identité, leur dignité. En même temps, le communisme a été associé à ce qu'il y avait dans les dérives de l'État, de la répression, de la militarisation des sociétés, ce qui pouvait être le pire. Il y a donc plusieurs faces du communisme au XXe siècle, et je crois qu'il faut réfléchir à cela.
Cet ouvrage, je pense, il permet en quelque sorte d'aborder cette histoire en considérant que cette histoire n'est pas finie, au sens de ce qu'on pourrait appeler le tombeau du communisme fait par l'histoire, hein, parce que le livre noir, c'est ça. Mais ce livre, au contraire, il est un livre qui pousse à réfléchir à l'évolution des formes historiques du communisme et ce qu'il pourrait ou ce qu'il peut devenir. Ce devenir étant non pas l'affaire des historiens, mais l'affaire de tous ceux qui se reconnaissent dans un certain nombre de projets, d'ambitions et d'idéaux portés historiquement par le communisme. Donc, j'allais dire, ce livre, qui rassemble des gens d'ailleurs qui avaient des positions politiques différentes, se situe dans une démarche qui me font dire que s'il était traduit en Espagne, ça serait, et en Catalogne, ça ne serait pas une mauvaise chose. Ça serait un signe intéressant. Il y a d'autres livres, il y a d'autres possibilités, je pense, de faire cela, mais ça pourrait être un acte intéressant pour s'engager dans cette voie. Je vous remercie. J'ai essayé d'être dans les temps. J'ai conscience d'être très, très schématique, mais cette histoire est très vaste. Et donc, puisqu'il n'y a pas de discussion dans le cadre de la conférence, mais après, je suis à votre disposition pour toute prolongation, tout prolongement de la discussion. Mais... Bé, acabo. Les conclusions diu que el llibre no és tant un balanç del segle com sobretot una anàlisi de les contribucions del comunisme sobretot a la politització de les masses, de centenars de milions d'obrers i de camperols de moltes parts del món que estaven situats a la perifèria dels sistemes polítics i que van irrompre en el món social, cultural i polític. I el comunisme va ser una de les forces impulsores d'aquesta irrupció diferent segons els països i que a més s'ha de diferenciar el paper que va jugar en els països en què va estar en el poder i en què el comunisme va protagonitzar les derives autoritàries i repressives d'aquelles altres societats en què va impulsar i va inspirar tot aquest esforç per irrompre la vida pública. Diu també que es planteja com una història no acabada, com un rebuig de la idea defensada pel llibre negre de la tomba del comunisme, de que el comunisme ja és un cadàver per enterrar i que, en canvi, pot ser una contribució al futur de tots aquells que reconeixen amb uns determinats ideals de justícia, ideals d'emancipació, etc. I per ha acabat demanant disculpes per l'esquematisme de la seva exposició i oferint-se al diàleg a l'acabar aquest acte. De tota manera, sembla que els organitzadors m'han dit que fins les dues teníem temps, sembla, no? De manera que, si voleu un petit debat, podríem tirar-lo endavant. Espera. Ah, il y a quand même des questions, alors. C'est possible. Oui. Ah, formidable, alors. Écoutez, vous comprenez l'espagnol. Je comprends à peu près, oui. Comprèn bé l'espanyol. Potser que parléssiu en castellà i aleshores... Mais si vous parlez français, bah, c'est un plaisir pour moi. Mais je peux comprendre. Votre intervention très intéressante. Sí, sí. Par la condition spéciale que les partis communistes ont avec l'histoire, puisque ce sont les partis que même laïcs, nous disons ici le PS et les Catalans sont un parti laïque, mais nous sommes un parti basé sur le matérialisme historique.
Donc, nous sommes à la fois sujet et objet de l'histoire, dans un certain sens. Ou, dans le terme de Gramsci, c'est la continuité de l'organisation qui donne le sens à l'action. C'est l'histoire qui donne le sens à l'activité des ouvriers, de la classe ouvrière. Sans l'histoire, il n'y a pas de possibilité d'être un sujet de l'histoire. Alors ça, c'est une réflexion que je crois qui nous distingue un peu des autres partis et qui, je vais inciter les historiens de la salle à en tenir compte. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sí. Potser que fem primer el torn i després... Oui, professeur, je vais poser une question qui n'est pas tout à fait en rapport avec ce que vous avez exposé sur le communisme, mais qui m'inquiète beaucoup et je voudrais quand même vous la poser, puisque vous avez longuement parlé des fronts populaires, des divers fronts populaires. Alors voilà, mon inquiétude est la montée du fascisme partout dans le monde, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, Le Pen, Sarkozy, que ce soit en Pologne, bon... dans Russie, enfin un peu partout, Géorgie, etc. Et je vous pose la question, vous ne croyez pas que nous arrivons à l'heure de reconsidérer les fronts populaires et les organiser et pouvoir lutter contre le nazisme? Parce que non comprenez le français, la pregunta que j'ai faite, che sta una micchietta da sbiada da quello che ha parlato il professor, è che a davanti alla pujada del fascismo a tutto il resto del mondo, che sia Spagna, che sia la Francia, Le Pen e Sarkozy, che sia Polonia e Georgia, Russia, eccetera, Stati Uniti d'America, bueno, una micchietta a tutto il resto, non parlo ni da Venezuela ni da... ni de Bolívia ni d'aquests puestos, eh? Parlo d'Europa, Estats Units. Bueno, jo pregunto si no seria hora de començar-nos a plantejar a organitzar fronts populars a cada país. Soc Francesc Vicenç. Je voudrais avant tout vous féliciter par l'intérêt au moins de mon point de vue de tout votre exposé. Et je voudrais excuser un peu l'ensemble de tous qui vous ont écouté, parce que les applaudissements à la fin méritaient d'être bien plus chaleureux de ce qu'ils ont été. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Eh bien, votre conférence sur les papiers qui nous ont été distribués est annoncé comme le siècle des communistes. Alors nous tous avons été très surpris quand nous voyons que vous avez parlé de les siècles de communisme, pas les siècles de communistes. Il y a eu une surprise générale et à la fin un peu de froideur parce qu'on attendait peut-être quelque chose d'autre. Je voudrais encore faire une réflexion sur la question des fronts populaires qui se sont développés en France et en Espagne en 1936. Quelle influence, à votre avis, a eu, je pense personnellement qu'il y a eu une grande influence, le 7e congrès de la Comintern? C'était en 1933, c'est-à-dire au moment où Dimitrov et Togliatti ont pris la direction idéologique de la Comintern. Avant le 7e congrès de la Comintern, la politique de la Comintern était extrêmement sectaire. Elle se résumait dans la phrase classe contre classe. L'une des classes était représentée par les communistes et l'autre par les socialistes. Mais à partir du 7e congrès de l'International, la politique des fronts populaires représentait tout ce que vous nous avez expliqué,
l'union entre socialistes et communistes, et cela dans le Front populaire espagnol et français. Mais pour faire ça, l'international, au moins dans le cas espagnol, celui que je connais mieux, l'international a été obligé de changer la direction du Parti communiste espagnol. Et la direction qui avait duré jusqu'à 1933 était qualifiée de groupuscule de sectaire et substituée par une nouvelle direction dans laquelle Dolores Ibárruri et Pepe Díaz ont commencé à bâtir un nouveau Parti communiste. D'après ce que je sais très peu, je crois que dans le Parti communiste français, c'est passé exactement la même chose. Il a fallu changer la direction pour faire une politique différente. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette influence dont je vous parle, de le 7e congrès de l'international communiste? Si no hi ha cap més... Doncs tanquem el... Vull estalviar en Joaquim Sempere la feina de traduir-me. Aleshores, jo he dit dues coses. Primera, que no se sorprengui de la manca d'entusiasme calorós d'aplaudiments que ha tingut una ponència tan interessant com la seva i que jo penso que s'ha produït perquè els papers que ens han distribuït posava com a títol de la conferència d'ell el segle dels comunistes, i no ha parlat d'això, és un error d'impressió. Ell ha parlat del títol del seu llibre, el segle dels comunismes, que no és el mateix que el segle dels comunistes, que és el que tots esperàvem que parlaria, i no ha parlat d'això. Aleshores, la segona qüestió és sobre els fronts populars. Jo li he preguntat si ell pensa, com penso jo, que els fronts populars són una emanació de la política de la Tercera Internacional, Internacional Comunista, a partir de l'any 1932. Abans de 1932, la Comintern, o sigui la Internacional Comunista, tenia una política extremadament sectària, que se resumia en la frase classe contra classe, és a dir, comunistes contra socialistes. A partir de l'any 33, una nova política inspirada sobretot per Dimitrov i Togliatti, que són els que agafen pes en la direcció de la Internacional Comunista, es transformen en la política de Front Popular, que és tot el contrari, anar a la unitat de socialistes i comunistes. Aleshores, jo em sorprenc una mica de que en la seva ponència ha parlat tan extensament de Front Popular sense mencionar el 7è Congrés de la Internacional Comunista. Aquest 7è Congrés, que va tenir lloc a l'any 33, és el que va determinar que es fes la política de Front Popular. Bé, doncs donem la paraula a Serge Bolikov perquè contesti, amb això acabarem. Je réponds dans l'ordre, non pas aux commentaires dont je vous remercie, l'appréciation pour laquelle je vous remercie, votre appréciation positive, mais sur les deux questions. Concernant le Front populaire aujourd'hui, par analogie, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas, mythifier le passé, pour ne pas écraser les générations actuelles sous le poids des réussites du passé et qui sont parfois exagérées. L'exemple du Front populaire et de la stratégie du Front populaire est né d'abord de graves défaites du mouvement ouvrier communiste notamment, notamment de la défaite allemande. Qui était, si vous voulez, la plus grave défaite, le symptôme que le mouvement communiste européen et international avait là suivi une route qui était une route erronée et surtout qu'il y avait eu une défaite. Et le plus compliqué, c'est que cette défaite, on ne pouvait pas la présenter comme une défaite. Parce que Staline avait soutenu, parce que le parti le plus représentatif de l'international communiste, c'était le parti communiste allemand. Et encore en 1934, on dit qu'il n'y a pas de défaite du communisme en Allemagne, ni du mouvement ouvrier, mais il y a la trahison de la social-démocratie. C'était ça l'explication. Mais en réalité,
le mouvement communiste, mais pas que le mouvement communiste, une partie dans les pays où le fascisme monte, les socialistes, les militants des associations sont profondément inquiets. Pourquoi ? Parce que le fascisme, c'est pas la droite. Le fascisme, c'est la capacité des milieux conservateurs de certains, à avoir une influence de masse, à mobiliser sur des thèmes qui ne sont pas des thèmes conservateurs, mais qui se présentent comme des thèmes révolutionnaires. Et c'est ça qui est la force, le danger du fascisme. En 1935, quand vous évoquiez le congrès de l'Internationale communiste, Georges Dimitrov signale que les fascistes ont réussi à construire leur popularité sur les domaines où le mouvement ouvrier a abandonné la bataille, et la question, notamment la question nationale, notamment la question de l'alliance entre ouvriers et classe moyenne, ouvriers, paysannerie, petits commerçants, etc. Et donc, l'analyse, c'est pas simplement la riposte, l'alliance, mais c'est aussi de reprendre l'action dans des domaines où le mouvement ouvrier avait abandonné l'action parce qu'il considérait que, d'une certaine manière, la crise sociale, politique, était en elle-même révolutionnaire. En quelque sorte qu'il fallait attendre l'effondrement du capitalisme et que le fascisme participait de l'effondrement du capitalisme. Donc c'est un changement d'analyse pour transposer sur aujourd'hui. Je dirais que moi, je crois qu'il faut être très attentif à la capacité de certains partis ou forces conservatrices à utiliser le désespoir de milieux populaires dans le domaine du pouvoir d'achat, dans le domaine de la perte du travail elle-même, dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler le discrédit, le mépris. Hein. Il faut être très attentif à ces questions-là. Je pense que rapprocher la situation polonaise et la situation française ou espagnole, c'est difficile. Parce qu'il y a des points communs. Et la politique de Bush, vous voyez, c'est très difficile. Mais malgré tout, vous avez raison, je crois que cela mérite l'attention. La question est de savoir si le mouvement socialiste, les mouvements communistes, sur quelle base ils peuvent faire une alliance ? Sur la base du libéralisme et du marché, comme alternative à l'extrême droite, je pense que là, c'est l'inverse. Parce que l'extrême droite en Europe, dans certains pays, s'est emparée de la critique du libéralisme. Dans d'autres, l'extrême droite utilise le libéralisme. Donc il faut essayer de mettre au clair cette question de la lutte contre le libéralisme. Si la gauche européenne n'arrive pas à faire ce travail, eh bien, elle aura beaucoup de peine à se rassembler. Et c'est, à mon avis, une des questions cruciales. On change de registre. Est-ce que j'arrête là ou je réponds sur la question ? Si, je vais vous répondre, parce que je crois que vous avez une expérience politique et une expérience comme protagoniste de l'histoire du PSOUK. Je voudrais simplement vous dire que le 7e congrès de l'Internationale communiste, en 1935, en juillet 1935, c'est un congrès tout à fait important. C'est un congrès paradoxal. C'est le moment où Staline renforce son pouvoir sur l'Internationale, et c'est un moment où on généralise la politique du Front populaire. Mais Dimitrov, vous avez raison, a joué un rôle. Togliatti a joué un rôle aussi, un rôle prudent. Togliatti était un homme de l'appareil, un exilé, donc prudent. On peut dire que le laboratoire du Front populaire, ça n'a pas été à Moscou ou au Comintern, ça a été en France. Et
Le Parti communiste français a été critiqué toujours pour son parlementarisme, son crétinisme parlementaire, son absence de tête intellectuelle, etc., opposé aux Allemands, opposé à bien d'autres. Mais en 1934, il y a eu cette situation paradoxale en France de la rencontre socialiste, communiste, syndicaliste contre le fascisme. Et là, l'international communiste a dit aux Français de faire exactement ce qu'ils faisaient avant, mais pour lesquels on les critiquait. On leur a dit, il faut vous entendre, il faut travailler ensemble. Et les communistes français, après ce signal, ont repris ce que l'on pourrait appeler la tradition républicaine gauche-droite. Et le Front populaire, c'est pas le mouvement ouvrier, l'unité du mouvement ouvrier, c'est l'alliance avec d'autres forces politiques de la bourgeoisie. C'est ça la question. L'alliance qu'on appelait avant circonstancielle. L'alliance avec le Parti radical, avec différents courants politiques qui jusqu'alors étaient considérés comme des ennemis de classe. Et cette idée du Front populaire, le mot même de Front populaire, est élaboré plus ou moins, ça fait partie des discussions historiens, mais en France, à la fin de 1934, les archives de l'international communiste montrent que ça provoque beaucoup de discussions dans l'international. Que ce qu'on appelle les vieux bolcheviques, Piatnitsky, même Manouilski et d'autres, disent qu'est-ce que c'est ? C'est l'abandon des principes, c'est l'abandon de l'identité communiste, vous voyez ? Et finalement, Dimitrov emporte le morceau, mais j'attire votre attention. En 1935, au congrès de l'International, Wilhelm Pieck fait le rapport sur le Parti communiste allemand. Et il dit que le Parti communiste allemand a une politique juste. Nous sommes battus contre le nazisme, le fascisme, et nous avons eu raison, et nous dénonçons la social-démocratie allemande. Et dans le même congrès, Dimitrov développe une autre conception de l'antifascisme. Et les communistes français sont présentés en exemple. Vous voyez, ça c'est la réalité de l'histoire du communisme international. Sous l'apparence de l'unité, on avait deux conceptions différentes. Et Staline était très content, il n'est pas apparu dans le congrès, mais qu'il y ait deux courants et deux conceptions. Et lui, il jouait sur l'un et sur l'autre. Bon, voilà, je ne peux pas développer plus parce que là, j'excède mon temps. Mais si, juste sur un mot, communisme, c'est le titre du livre. Hein, c'est pour ça que je parlais de communisme. A veure, jo interpreto que la suposada fredor dels aplaudiments podien tenir a veure amb aquesta història de la traducció i que potser alguns esperaven que jo la traduís i altres... bé, en tot cas, ara, després de la meva intervenció final per traduir el que acaba de dir, podem aplaudir adequadament, espero, el nostre conferenciant. Em sembla que ha dit coses molt interessants i per això val la pena que s'aclareixin, per qui no ho hagi entès bé. Ha dit que els fronts populars van ser resultat de greus desfetes del moviment obrer, sobretot a Alemanya, que era la nineta dels ulls del moviment comunista. Però que a més que no es podien presentar com a desfetes perquè l'estil triomfalista de l'època ho impedia. I per tant la culpa s'havia d'atribuir als socialistes i a les seves traïcions i això impedia una autocrítica adequada. Respecte a la intervenció que ha fet una referència al present i a la vigència que podria tenir una política de Front Popular, he dit que el feixisme s'ha d'entendre no com simple conservadorisme, sinó com la capacitat dels conservadors per mobilitzar les masses i per construir una popularitat en camps on l'esquerra havia desertat, en la qüestió nacional o l'aliança amb la pagesia i les capes mitjanes. I traspassant-ho avui, al·ludeix, i crec que aquesta és una lliçó interessant, a la capacitat de la dreta per aprofitar la desesperació de molts sectors populars davant de fenòmens diversos de la crisi del capitalisme actual i el fet mateix que l'extrema dreta
es pugui apoderar de la lluita contra el liberalisme i que aquí sí que ell veu una analogia de la qual es poden extreure lliçons importants per a la pràctica política i per construir una alternativa. Bé, i després, finalment, s'ha referit al 7è Congrés de la Internacional Comunista explicant que allà es van enfrontar les nocions més extremistes de classe contra classe defensades per Manuilski o per Wilhelm Pieck, entre altres, i en canvi Dimitrov va desmuntar el discurs aquest extremista i va demanar als francesos, als comunistes francesos, que fessin allò que havien fet abans i que no havia estat reconegut pel moviment comunista internacional, que era de reconstruir una aliança republicana que tornés a posar la divisió entre dreta i esquerra, que l'esquerra pogués recuperar l'aliança amb els sectors burgesos i petits burgesos com el Partit Radical, etc., que podien tenir una posició antifeixista. I amb això, sí, acabo. Ara sí que us demano, doncs, un aplaudiment.